Bonjour à tous, ici Sprulex et bienvenue dans ce 24e épisode de Let's Play sur Mad Games Tycoon 2. Alors, on est occupé d'essayer de faire un jeu B+, en attendant d'avoir le triple le... Ah, on a déjà le A, c'est le double A ici, d'accord. Donc, on a déjà recherché le A, on a fini le double A, on recherche le triple A. Pendant ce temps, le jeu est occupé d'être fait, on a pas mal de choses à faire après. On a gagné pas mal d'argent avec Moonfox, mais on va essayer de continuer dans la foulée. Alors ça avance. Il manque des toilettes par ici, mais je veux d'abord dégager un peu. Pour ça, il faudrait que j'achète. C'est plus le crash immobilier. C'est plus le crash immobilier. J'aurais peut-être dû acheter quand même à ce moment-là. Bon, c'est pas grave. Hop, 3,5 millions pour Moonfox Patch. Très bien. Ah tiens, il a fini sa formation. Notre développeur... notre testeur supplémentaire. D'ailleurs, il est là. Hop, allez. Va améliorer le gameplay. Hop, on continue. On n'a pas fini. Il y a beaucoup de bugs à corriger. Il y a des améliorations à terminer. Très bien. Ouais, c'est vraiment le code qui est le point faible du jeu. Hein. On est qu'à 2007. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte de beau? Normalement, on n'a rien fait de plus, donc il n'y a rien pour nous cette année. Voilà. Oh bah ça prend du temps. Hein. T'as fini toi? Service client. Allez, vas-y, t'as 2000 mails à traiter. Alors, les free-to-play et la distribution dématérialisée ont été débloqués. Ok. Ah oui, pour faire un MMO, il me faut de la place pour les serveurs. Ah oui, j'avais oublié ça. Bon, ok. Salle des serveurs, ok. Bon, ben, dès que j'ai assez d'argent, j'achète le bâtiment qui est là. Ouais, j'aurais dû le faire quand il était à 8 millions. Il y en a un qui a le moral dans les chaussettes là. Toi. Ben non. Ben, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'elle a le moral dans les chaussettes, mais... Pourtant, j'essaye de faire en sorte qu'ils se sentent relativement bien. Arrêter le mode automatique de la recherche, on va rechercher d'autres choses après.
Bon, les bugs diminuent, c'est déjà ça. Quel jeu sera une pépite au niveau technologie, hein? Ok, toi tu es en polissage, correction de bug, et là il est en polissage aussi, bientôt. Très bien. Dès qu'il n'y a plus de bug, on envoie. Petit stand toujours, toujours pour Chrono Z. Voilà. Ça diminue, ça diminue. Hop, terminer le développement. Très bien, rechercher un éditeur. Oh, tiens, je peux m'auto-distribuer maintenant. Donc, de la stratégie Intergames. C'est tout, il n'y a que. Bon, bah. On va éviter de se tirer une balle dans le pied, hein, mais. 70%, très bien. Voyons. Donc toi déjà, on annule l'assistance. Vous allez commencer à mettre à jour avec une mise à jour gratuite, hein, vous ferez pas les cons comme ça. Voilà. Vous. Non, vous déjà, option de moteur. Voilà. Très bien. Vous, une mise à jour, un DLC payant. On met tout. On est au max. Vas-y. On valide. Alors vous, contrat. Voilà. Contrat. Voilà. Toi, créer un rapport pour Chrono Z. Donc, ok, ça commence à râler un peu, mais c'est pas très grave, hein. Toi, non, t'es bien, toi. Toi, 41. Et toi, 47. Ok, le 41. Tu viens là, commencer la formation. Testeur de jeu. Moyen. Vous. Non. On va faire du polissage pour Chrono Z Patch. Vous. Il n'y a plus de rapport à faire. Dans ces cas-là, vous corrigez les bugs du patch. Voilà, un petit contrat peut-être. Non, on peut pas. Nouveau moteur peut-être. 5, 4, 5, 4. Non, on va attendre que. Qu'il y ait du 5 partout. Pendant ce temps. Oh, joli!
Ouais, mais vous, j'ai pas envie de vous payer à rien foutre. Non, bon ben. Je vais faire un petit jeu en B. Alors, genre principal, un que je n'ai pas encore fait. Qu'est-ce qui marche bien? C'est film interactif sur le rugby. Ce qui marche pas, tir à troisième personne et horreur. Ouais, un petit jeu de foot. Not so sticky ball. Bon. Un petit jeu de foot. Enfin, un petit jeu de sport. Alors, un jeu de sport. Arts martiaux, ça me paraît bien. Groupe ciblé. Adulte. Oui, adulte, hein, c'est 16 plus. Toujours sur le Saturn Ring Plus. On va la faire pour console uniquement. Ah mince! La Rimcast est déjà morte. C'est assez dégueu, mais. Oh, la mini soft Y-Box. Je prends. À la place de la Sony Game Station. Ouais. Première du nom. La Y-Box. Ok, très bien. Tout ça, c'est bien. Alors, le jeu de sport. Profondeur de jeu, bof. Histoire, pff, rien du tout. Conception de personnage, moyen. Conception de niveau, pff, pas vraiment. Hein, conception de mission aussi, on peut mettre ça relativement bas. Convivialité débutante, oui. Il faut que tout le monde puisse jouer. Durée de vie relativement longue. Voilà, je vais le mettre comme ça, on verra bien. Ce sera pour les joueurs occasionnels plutôt. Pas de violence. La difficulté, ça peut aller. Et le reste, c'est bon. Alors, j'en ai droit à 10. C'est sur GameStation, donc support manette moderne. Enfin, sur console moderne. Le replay pour un jeu de sport, c'est bien. Contrôle réglable, non, pas forcément. Écran partagé, oui. Allez, ils peuvent jouer sur le même effet météo aussi. Multijoueur en ligne, oui. Allez, on va leur mettre les succès. Ça nous en fait quoi? 6 sur 10. On va leur mettre les contrôles réglables et le chat vocal, comme ça ils peuvent insulter leurs adversaires. Très important. Et c'est parti. Advienne que pourra. J'ai déjà fait 3 millions 3 avec Chrono Z. J'aurais rien du tout. Voilà. Alors tout ça c'est bien. Continue le développement. Trois bugs. Voilà, terminer développement, donner complément. Et on est à du 70%, très bien.
Ok, normalement ici, développer un moteur, nouveau moteur. Oui, on verra après. Non, ce sera du Jupiter. Jupiter Engine. Le genre spécial, ce sera toujours pour de l'action. La plateforme spéciale, c'est toujours pour le PC. On va voir un peu. Graphique 3D moderne 3. C'est bien. On est lié à avancer niveau 1. Et bon, bah. Pour l'instant, on va mettre le son et la physique pas très haut, mais c'est déjà ça. Et c'est parti. Alors, on va faire du polissage pour notre sauce sticky ball quand même. Hein. J'ai 19 millions. Allez, on va acheter. C'est parti. Ok. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre service client, le... Quoique... J'hésite. Attendez. Non, ils peuvent continuer, c'est vrai. Donc, je vais mettre déjà le... La salle de formation. Alors, il rentre par où? Il rentre par là. Il rentre par là. Déjà, je vais mettre les toilettes. Alors, porte manquante. Voilà. On valide. Donc, les toilettes. Hop. Allez. Très bien. Un chauffage ici et voilà. Alors ensuite, joli, même si ça me sert à rien puisque c'est un jeu que je vais jeter à la poubelle après. Ok, mettre une salle de formation ici. Pas trop grande, on ne va pas non plus former tout le monde en même temps, quoique on verra ça après hein, si on forme tout le monde en même temps, mais ok. Alors bon, on va mettre les deux bancs. Hop, le tableau blanc. Alors bien. Petite armoire, pourquoi pas. Je vais déjà mettre le chauffage avant que... Non. Ah. Voilà. Alors, une cafetière, ça c'est bien. Un distributeur d'eau. C'est parfait. La poubelle aussi. Armoire à dossier, ça peut être intéressant pour le décor. Allez. Bon, ce sera assez. Voilà.
Ouais, toi t'es occupé, donc on va attendre avant de te virer. Donc tout ça c'est bien. Chrono-Z, il est bien. Bon, j'ai déjà perdu pas mal d'argent. On va se refaire, ne vous en faites pas. Je vais mettre la salle des serveurs ici dans le fond, quelque part. Je ne sais pas exactement. Je vais mettre une salle de repos ici. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Ils ne devront pas non plus traverser tout le... Hop, on va en mettre un et un rouge pour qu'ils puissent discuter. Une télé, une radio, bien entendu, la poubelle à boire, ça me paraît bien. Une armoire à pharmacie, ça peut être intéressant aussi. Allez, c'est chiant le fait qu'il ne détecte pas bien le mur là pour l'instant. Un petit chauffage et ce sera bon. Voilà. Allez, on continue. Mais comme c'est loin de tout, c'est horrible, hein. C'est pour ça, il faut se faire de l'argent avec Chrono Z. Très bien, nouveau moteur, c'est fait. Voyons si je peux. Mise à jour ancien moteur, Jupiter. Voyons ce qu'on a de neuf. Donc, technologie de son niveau 5, et c'est tout. On va attendre. Pendant ce temps, faire un contrat. Je peux pas. Stand moyen, Chrono Z. Et notre sauce Tiki Ball. Très bien. Ouais, notre Sticky Ball, hein, on oublie. Est-ce que je ferai un autre jeu? J'ai envie de refaire un jeu d'action. Alors, action. Qu'est-ce qui va bien avec action? Popularité des genres, ok. Ouais, action combat. Ça me paraît bien. Thème principal, action, combat, on va le faire dans la mafia. Non, arts martiaux. Ok. Oui, ça va faire deux jeux d'arts martiaux en suivant, mais ça me paraît bien.
Alors. Action, arts martiaux. Action combat en arts martiaux. Oui, j'ai un peu arrêté avec les noms de trucs dans l'espace et compagnie. Ouais, Freak Out, allez, c'est bien. Avec le Jupiter Engine, hein, le Engine, pardon, le tout nouveau. Alors, sur. Ben, je vais mettre sur tout. Attendez, hein, le PC en premier, le Macintosh en deuxième. La Xbox et la PlayStation après. Donc, on est bien. On active toutes les langues. Et là, on est relativement bien. Alors, je vais prendre par rapport au dernier qu'on a fait en action, Beyond the Future, copier les paramètres de conception. Ok. Le rapport de Beyond the Future. Qu'est-ce qu'il nous raconte? 10, 40, 30, 20. Très bien, il l'a copié. Et qu'est-ce qu'il nous disait ici au niveau des. Oh ben, il n'y en a pas beaucoup. Histoire, il faut augmenter l'histoire. Moins occasionnel et plus d'innovation. Plus d'histoire. Plus d'innovation. Moins pour les joueurs occasionnels. Plus de violence et plus de difficultés. Voilà. Alors ici, je suis à moins 4 conceptions de mission, je vais devoir diminuer. Y en a beaucoup trop. Et c'est parti, hein. Je l'ai mis en B. Est-ce que je le mettrais pas en A? En triple A avec 5 millions? Non, double A. Double A, c'est très bien. 40. Voilà. Toutes les appropriées. En fait, presque tout, quoi. Bon, allez, c'est bien. Alors, est-ce que je vais. Allez, oui, on va faire un peu de micro-paiement. Articles cosmétiques, animaux et montures. C'est du 8 centimes par utilisateur par mois. De 80 centimes plutôt. Oui, on va rester là-dessus. Financement, coût de base 1 million. Technologie. Ok, contenu et fonctionnalités, frais et licences. Ouais, ça me paraît bien tout ça. Allez, on est parti. Trop de fonctionnalités. Ah oui, je suis à 48. Ouh, merde. Bon. Allez, on va enlever les vieux trucs. Classement local, je m'en fous. Clé de sauvegarde, je m'en fous. Écran partagé, je m'en fous aussi. Éditeur de niveau, on va garder. Fonction pause, allez, pourquoi pas. Histoire interactive, je m'en fous. Le replay, je m'en fous.
il m'en faut encore 3 à virer. Le chat vocal, oui, enfin, pourquoi pas. Je sais pas. Pour l'instant, le chargement rapide, pas vraiment. Moi, au classement en ligne, je vais l'enlever, je vais garder le chargement rapide. Contenu ajustable. Non. Enfin, si. Si, 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 si. Allez, pas de didacticiel, pas d'easter egg. Et voilà, on est bon. Ok. Bon, allez, on va s'arrêter là pour cet épisode. On verra ce que ça donne dans le prochain pour Freak Out. Et notre sauce Sticky Ball aussi, hein. Donc, merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Mettez des pouces en l'air, abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Et portez-vous bien. Bye!